La joie, une nouvelle édition de C'est mon golfiade de Metz. Je crois que c'est la 19e, si mon compte est bon. Non, alors votre compte n'est pas bon, c'est la 29e. 29e. Voilà, ça a commencé en 1982. Alors, vous faites partie, c'est la PIM, hein, c'est bien ça? La PIM, oui. La PIM, c'est l'association des pilotes de montgolfière de Moselle, qui a été créée un peu spécialement pour cette manifestation, et qui en fait regroupe toutes les associations de pilotes lorrains, mosellans essentiellement. Alors, comment se déroule la manifestation et quels sont les pilotes qui viennent vous entourer? Alors, comme on vous l'a dit, si vous voulez, ce sont les pilotes mosellans. Donc, la région Lorraine et particulièrement la Moselle sont les endroits où il y a le plus de ballons en France.
Et il y a presque entre 30 et 40 ballons qui sont inscrits. Et ces ballons viennent tous pratiquement de Moselle. Alors, on vous connaît pour les records, des tentatives de records ou des records qui ont été établis en ballon. Quel est un petit peu votre futur, justement, en ce qui concerne ces records? Vous avez déjà des nouveaux objectifs? Oui, alors on a un projet avec Christophe Houvert, donc avec mon complice de toujours, pour établir un nouveau record de distance en montgolfière. Je pense qu'on pourra commencer à faire ces tentatives de record à partir de l'hiver 2011, cette année. Donc. D'accord. Et c'est au gaz aussi? C'est au ballon au gaz? Non, alors là c'est montgolfière air chaud. Hein. Si vous voulez, il y a plusieurs catégories de ballons très différents les uns des autres. En gaz ou en mixte, c'est-à-dire gaz-air chaud, comme nous l'avions fait lorsqu'on a traversé l'Atlantique, on peut rester plusieurs jours en l'air. Là, il s'agit d'une montgolfière à air chaud, donc avec des durées de vol qui sont quand même beaucoup plus courtes. Et notre objectif, il est de 1200 km. Et ça sera un matériel bien particulier pour ce record? Oui, alors c'est un matériel extrêmement innovant, puisqu'il s'agit d'une double enveloppe de montgolfière, un peu comme du double vitrage dans une maison. Donc une enveloppe tout à fait isolante, et qui aura pour particularité essentielle de consommer entre 3 et 4 fois moins qu'une montgolfière normale. Et vous avez déjà une idée de l'endroit où vous partirez et la direction, ça dépendra du vent peut-être? Alors non, on sait de l'endroit d'où on partira, c'est-à-dire ce sera de Lorraine, soit Chamblay, soit Metz. La direction, très probablement, ce sera vers le sud-ouest. Pourquoi? Parce que cette tentative, elle ne peut se faire qu'en hiver. Il faut trouver des vents qui sont entre 80 et 100 km/h avec du beau temps. Et ces vents-là, c'est toujours des vents de nord-est. Donc il faut attendre une fenêtre météo, comme on dit, et puis cette fenêtre météo nous permettrait d'atteindre soit l'Espagne, soit le Portugal, suivant les conditions de vent. Alors vous volez assez régulièrement à travers toute la France. Bon, c'est vrai qu'il y a eu Chamblay cette année, mais vous déplacez à travers la France ou peut-être le monde? Essentiellement en France, oui, mais bon, il y a des tas d'endroits où j'aime beaucoup voler, dans la région, en Bourgogne, dans la région en Touraine aussi, au bord de Loire. Ça, ce sont des régions privilégiées que j'aime beaucoup survoler. Autrement, ben, on essaye de voler en fonction des opportunités. Alors ça fait combien de temps que vous volez, vous? Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis pilote. Et c'est toujours la même passion, au bout de 20 ans, on n'en sort pas? Ah, toujours, alors vraiment, aucune lassitude, absolument pas, et... Je crois qu'après plus de 1000 vols, on est toujours avec des yeux d'enfant, comme au premier vol. Alors, il y a la jeunesse aussi. Vous arrivez à donner envie à des jeunes, justement, et à transmettre cette passion? Pas tout à fait. Moi, je suis instructeur, donc je forme des élèves. Et actuellement, j'ai plutôt des jeunes élèves, hein, entre 17 et puis 22, 23 ans. Hein, et j'en ai formé maintenant presque une vingtaine. Donc ce sont des pilotes. Et ici, sur ce meeting, il y a plus d'une dizaine de pilotes que j'ai brevetés. Alors pour des jeunes qui auraient envie, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des passages obligés? Oh ben, il faut intégrer déjà, il faut essayer d'intégrer une association, d'abord comme équipier pendant un certain temps. Et puis ensuite, ben, de trouver un instructeur. C'est pas si facile que ça, parce qu'il y a assez peu d'instructeurs, surtout assez peu d'instructeurs gratuits. Donc il faut trouver un instructeur, puis se former. Ça peut prendre du temps.
des comics en ligne.